J'arrive. J'arrive. Je suis pas prêt. Ok. Prends le temps qu'il faut, merci. Voilà, PQ Vult. Ok, impeccable. J'ai toujours pas éteint Star Sector. Voilà. Ok. Rebel Inc. Escalation et Hardcore Mecha. Des petits jeux sympas, vraiment. Eh ben, il faudrait que je me mette à Magic Arena. Mais il faut que je télécharge le jeu et que je prenne le temps. Ah bah, il y a les vrais anciens qui se souviennent des lives que j'ai fait sur Magic the Gathering. Mais Magic the Gathering, la version en combat d'arène à la Yu-Gi-Oh! Où t'es là, Elvish Warrior, Goblin King, Goblin Hero. Avec les trucs comme ça. Avec le Avatar of Might. Truc de fou, le jeu était sorti sur Xbox, première du nom. C'était pas les cartes, hein, c'était le Yu-Gi-Oh! Le vieux RPG Magic où tu faisais défoncer dans les 3 premières minutes. Non, pétrole bébé, non. Les Bloody Goblins, enfin les petits gobelins du début, ceux qui valent un point, ils étaient gottières. Ils avaient même célérité. Ok, est-ce que c'est fluide pour vous? C'est fluide pour moi, ça a l'air de marcher. Côté son pour vous, comment ça se passe? Pourquoi j'ai un cheval? Ah oui, je poursuivais Rouquin, c'est ça? Je poursuivais Rouquin. Et Rouquin, il était vers les charbonniers au nord. Ok, très bien. J'ai oublié comment jouer. Allons-y. Ya. Yeah. Double ya. Sur la con. Yeah. On te dit. Ok. Go vendre, Bob. T'es fou, l'état le temps. Vous êtes sûr? T'avais grave du bordel à revendre. Je suis d'accord. Il y a Talmberg qui est pas si loin. Ou alors je peux retourner à Rateil, mais... Tu as le temps dans cette partie, ok. Bah, j'imagine demi-tour. Mais j'imagine j'ai le temps, mais pas le temps de faire ça en voyage rapide, on est d'accord. Voyage rapide, ça me demanderait trop de temps en fait. Genre un voyage rapide de 100 mètres, il prend une heure. Je vais faire le déplacement rapide alors. Qu'est-ce que c'était ça? C'est quoi ça? Ah, c'est des étoiles. D'accord, c'est parce qu'il fait nuit. Est-ce que les objets qui sont sur mon canasson, ils apparaissent dans mon inventaire quand j'essaie de vendre? Ou pas du tout? Non. Ouais, bien ce que je pensais.
faut les prendre. Très bien. Qu'est-ce qu'on me conseille de faire du coup? Est-ce que je dors dans une tente nulle? Ou je passe une nuit à l'auberge? Ce qui me permet de mettre de côté déjà tout le merdier que j'aimerais bien qu'il soit à l'auberge, si tu veux. Déménagement robas Lenonia, lol. Wouah, tu t'es fait bannir. Pourquoi tu t'es fait bannir? Il voulait faire une vanne. Il voulait faire une vanne et Moubot l'a tué. Est-ce qu'il y a un modo? Attendez. Slash time out. Lise Blue. Hein. Voilà. Normalement, Lise Blue, tu peux revenir. J'ai rebanni, mais que de une seconde. Impeccable. C'était une bonne banne. Hein. C'était une bonne vanne. Tu t'es juste fait choper par la doxa. La même chose qui arriverait aux inconnus de nos jours. S'ils refaisaient la moitié des sketchs. Ah ouais, bah peut-être que leurs sketchs, ils étaient sacrément racistes alors. Ils méritaient peut-être. Bravo. Tu as gagné l'étoile du fils de pute. C'est une belle étoile jaune, porte-la fièrement. C'est comme dans Mario. Dans Mario, tu collectes les étoiles jaunes, je rappelle. Yahoo! Waha! Je sais que l'auberge est derrière moi. Oui, et la rediff. Moi, je m'en bats les couilles. Alors, attends, du coup... roue déguisage, oui. Forgeron. Alors, la roue déguisage, c'est bien. Quoique, la roue déguisage, c'est une bonne idée. Ah! Putain, je sais plus descendre. Impeccable. Ok, combien d'armes j'ai sur moi? Bardiche, dague, bourgeois. Prenons plus d'armes. Ah oui, c'est vrai. Comment je vois les objets qu'a mon cheval? Ah, cheval, en un champ, inventaire. C'est donc ça. Ça, c'est le matos de mon cheval, on est d'accord. Ok, voilà, c'est bon, j'ai compris. Super, j'ai pris les épées et ça me rend un peu lourd. Mais l'important, c'est que du coup, je peux tout... je peux m'entraîner. Alors, voyons voir. J'aime me faire insulter par des gens qui stream, ça veut dire que je suis dans la bonne ligne idéologique. Parfaitement. 100% raison pour le coup. 100% raison. 24. Je l'ai pété. Merde alors, je croyais qu'elle était en meilleur état que ça. Attendez. L'étincelle, c'est bon. Ouais, je sais, ouais, mais... Ah merde, elle fume. Gueule.
Ok. 99. Elle a l'air en bon état, là, on est d'accord. Et je gagne un point en entretien. Ouais, c'est ce que je voulais. Mais il bouge tout seul, regardez. Vous avez vu? C'est-à-dire faut constamment être en train de... C'est-à-dire faut constamment être en train d'équilibrer en fait. C'est nul. Épée de chevalier chasseur, bien ça. C'est parce que t'es mauvais. Bah non mais je vous jure. Et là je touche à rien. Vous voyez, tu vois, il change, il fait un tac avec l'angle. Il tord l'épée tout seul en fait. Je suis pas fou. C'est mauvais ton skill, pas tes imputes. Ah d'accord, bah tout s'explique, merci, excusez-moi. Moi, je croyais que les mecs m'insultaient, j'étais ah bon d'accord. Moi je pensais que bon, la blague c'est que ils disent que je suis de droite, je les traite de gauchistes, mais tu sais, tout va bien si tu veux. Mais là ils commençaient à dire que je puais de la bite, c'est compliqué. Bob, 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 une blague, s'il te plaît. Tous les blessés dans les gilets jaunes ont voté Macron. Pardon, excusez-moi, je n'aurais pas dû. Je te voulais pas. Non, Bob, pas celle-là. La misère. Mais bon, alors ça par contre aussi, je vais faire un truc aussi. Mais Bob, ça veut dire que tu veux dire qu'il aurait fallu qu'ils votent Marine Le Pen? Non, non. Ça veut dire que, quand bien même ils auraient voté d'un côté, de l'autre, en haut, à gauche, à droite, en diagonale ou quoi que ça, ça aurait rien changé. La personne au pouvoir aurait tiré dedans au fusil à pompe, si tu veux. Donc en fait, le problème, il est peut-être un peu plus profond. Après, je dis ça, je dis rien. Moi, la sédition, c'est pas mon truc. Voilà. La dague, on peut pas l'affûter. Le sabre de Nicopolis. Non, parce que... compter facilement sur les extrémistes de tous bords, gauche et droite, hein, pour mal interpréter... la parole de quelqu'un. Ça, c'est gratuit. Mais ça changera jamais, ça. Que ce soit maintenant, il y a 60 ans, dans 100 ans, il y a 1000 ans. Toujours pareil. Rien de nouveau sous le soleil, les gens. Au final, c'est Candide qui avait raison. Il faut cultiver son jardin. Mais Bob, si on n'a pas de jardin... Dans ton cas, Billy, cultiver son jardin, ça veut dire commencer par apprendre à lire et le second degré, si tu veux. Pour un lavement ou sandwich au caca. Mais oui. Encore une fois, South Park lucide.
ou Krilin avec son jardin. J'avoue, Krilin... J'arrive pas à faire de autre chose que de la fumée. C'est compliqué. En même temps, Krilin, c'est différent. J'ai vraiment cherché la définition de sédition. Oui. Sédition, s'opposer au gouvernement et devenir un... Et combattre activement acte de trahison. Faire sédition de la couronne. Refuser le roi, si tu veux. Après, voilà. Après, ce que je voulais... J'ai descendu dans mon jardin. Après, je veux dire... Ah d'accord, c'est à cause de ça que tu disais ça, putain. Alors que moi, Krilin, je lui disais, putain, ça, c'est un homme qui a cultivé son jardin, si tu veux. Mec, il a épousé ses 18. Bla ! Il lui a mis la max. Tellement fort, elle a été enceinte. Zéro frame. Krilin, c'est le vrai. Hein. Il vit sur une île chez son maître. C'est même pas sa baraque. Hein. S'en bat les couilles. C'est l'incel parfait, si tu veux. Il devient flic, en plus. Donc, il rejoint les pouvoirs en place. S'en bat les couilles. Krilin, Gauthier. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, il y a une taverne, il y a une auberge. On n'est pas trop épuisé. Comment ça se passe? Énergie 88. Oh, bon, on peut passer une nuit sans dormir. Voilà. Krilin Gauthier. Le problème, c'est que la plupart des gens ne lisent pas le programme du candidat. Spoiler, je pense pas que le candidat lise son programme non plus. C18 qui n'a pas de réserve d'énergie et qui est donc une endurance infinie. Oh là 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 là! J'avoue, hein, ça met la pression. Chasseur, est-ce qu'on a des choses à lui vendre? Vous avez découvert un nid. Où est mon cheval, il, là? Je peux vendre la viande de lièvre au chasseur ou pas? J'espère que ça passe, hein. Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! Oh la vache! Au boucher, tu dis, putain! Il est où le boucher de ses morts? Oh, il est à l'autre bout! Fait qu'il n'y ait aucun garde qui m'inspecte. C'est bon, je devrais être assez... Je peux pas prendre mon cheval, les enfants. Putain. Je suis trop lourd. Quand je suis un gros cul, je peux pas monter dessus. Ouais, tu vois. Je peux presque tout vendre aux marchands. Ok. Boutique et boutique, c'est ça, hein. Remets la merde sur le cheval. Non, c'est Kino. Garde ça. Ça met des lieux à Skyrim, si tu veux. Ça. Ça va, calme-toi. Oh.
J'espère qu'il est ouvert ce coin. Crochetage difficile. Putain, il est pas ouvert ce gros lard. Il est 8h10. Dis-moi que t'es ouvert. Pas de soucis, Écarion, je t'en prie. T'as ce temps de chargement. J'ai installé le mod qui est censé aider avec tes textures. Pas dit que mon PC le supporte cependant. Mon PC est peut-être parti pour s'envoler sur le Kekistan. Je me suis mis du shit de coca dans, dans les yeux. Ah. Pardon, bonjour. Madame, bonjour. Was willst du von mir? SSD, mais j'en ai un des SSD, c'est juste que je l'utilise pour Windows et mon fichier téléchargement pour avoir un accès rapide et efficace à mon porno, si tu veux. Allons-y, parlons à faire. Mais non. Ok, alles gut. Alors. Combien que ça vaut 27 balles. Elle a que 200 balles sur elle. Ah, déjà. Donc en fait, elle vaut rien du tout. Ok. Putain, je peux même pas lui vendre. Reden wir über den Preis. Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Fantastique. Putain, elle a les poignets à bretzel. Möge Gott über dich wachen. Dis-moi que t'acceptes ce lapin faisandé. 27 balles, elle a 40 balles. 59, bah tu sais quoi? Reden wir über den Preis. Ja. Ouais. C'est quoi, je te le fais à 35, allez, je m'en bats les couilles. Das hier und ein kleines extra. Nun denn, recht herzlichen Dank. C'est bien parce qu'elle a des poignées de bretzel. Bon. Bleib stehen. Ich muss dich durchsuchen. Ah! Il va falloir corrompre. Je capitule. Was ist los? So lautet mein. Et si on jouait ça au pognon? Du könntest meinen Preis. Allez, 23 balles. Gut, du kannst gehen. Merci, monsieur. L'armurier est un radin. Ok, d'accord. Bien arrangeant ce brave homme. Fantastique. Hein. Le pot de vin du pauvre, 23 copecs. Sachant qu'une nuit à l'hôtel, c'est 2 copecs. Hein. Ça va, n'empêche. Hein. Je lui ai bien fait toucher la lourde, là, quand même. Hein. Faut pas croire. En face de nous, nous avons deux marchands. Deux marchands généralistes. Yeah. J'espère juste que tous les gardes vont pas me fouiller du cul. Je peux pas sauter. Je peux cependant voler des torches. Ce qu'on va pas faire. Alors il faut que je m'habille full charisme, qu'on me dit. Hein. Ouais, sauf que full charisme, j'ai pas bien mieux.
J'aurais pu... J'ai des fleurs sur moi, ça aide, mais bon, c'est tout. Et résistance. Résistance au poison. Poison. Guten Tag. Guten Tag. Alors. Hercule et son régime, il me faudrait petit nécessaire de cordonnier, petit nécessaire de forgeron, petit nécessaire de tailleur. J'en veux un de chaque. Ok. Alors, qu'est-ce qui vaut le plus cher ? Des brés de noble. Intéressant, ça. Vendons-lui. Un camail de coiffe longue. Ça, ça vaut masse de thunes. Et j'en porte un. D'accord, c'est lui que je pense. Je peux vendre celui-là. Et celui-là, combien de thunes il a, lui ? 300 balles. Bon. Des brés de noble rouge. Ah, j'en ai deux. Pour plus de 180 balles. Et le chaperon. Non, ça vaut cher. Le calice. Non, Morgenstern. Je sais pas s'il va s'en rendre compte que c'est volé tout ceci, mais j'espère juste que non. Chemise. Chemise. Chemise et tu sais quoi, je te fais un prix. Comme ça, je passe pour un bon prince. Qu'est-ce t'en dis ? Das sieht wie gestohlene Ware aus. Die Kauf. Oh, quel chieur. Comment il s'en est rendu compte ? Alles gut. Bon, recommençons. Vendons le camail. L'arc de chasse, je le garde. Le chaperon rouge, non. Le calice. Les gants en cuir. C'est pas ceux que j'ai équipés, on est d'accord. Hein. Brassard. L'arc coumant. L'épée de chevalier chasseur. Moi, je me bats avec quoi, là ? L'épée de bourgeois, d'accord. Vous obtenez déjà beaucoup de choses. J'ai cru que celle-ci était moins visible, mais j'avais tort apparemment. Bordage comme oui, Hercule et son régime. Je vais le prendre avec aussi le petit nécessaire de cordonnier, de forgeron et de tailleur. Aussi, continue à vendre ma merde. Achète ma merde. Achète ma merde. Okay. Donc tout ce qui n'est pas volé, bien sûr. Alors je dis bien sûr, mais en vrai c'est chaud. Oh, t'achètes les venaisons, mec. Oh oui. Oh bébé. Oh oui. Achète des flambeaux. Achète Mamille Pertuis. Je regarde un peu, mais c'est pour sniffer bon du cul, si tu veux. Et enfin, voilà. Le reste sont des objets, malheureusement, volés. Sprechen wir den Preis. Nun. On peut toujours essayer. Allez. 250, allez. Yeah, bye. Très bien, merci. Fort aimable. Vite du cul. Eh ben, ça fait du bien. Alors, ensuite, récupérons des objets. Mon inventaire, on va mettre tout ce qui est volé. Oups. Parfait.
Du coup, je pèse un peu trop lourd. Où est-ce que je peux aller vendre le reste de merde? Le commerçant juste à côté, excellent. Parfait, parfait, parfait. Je commence à avoir un peu de thunes en plus, c'est bien ça. Bonjour. Gelobt sei Jesus Christus. Ok, vendons tout. Alors, non, 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 non. Mes gants de cuir. Oui, combien de thunes t'as? T'as 100 balles! Ah, c'est déjà trop cher. Ah, d'accord. Ah, oui, d'accord. Très bien. C'est le même marchand, en fait, j'ai l'impression. Bon. Lässt sich was am. Nun. On va se mettre à la bonne. Here. Garde de ta monnaie. Voilà, garde de ta monnaie. Ok. Très bien. Du coup, qui prend les objets volés? Non, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut qu'on rentre au moulin de Ratay. Où est le cheval? Excellent. Trop surchargé pour le voyage rapide. Comment, Nani? Ah. Voilà. Voilà. La tanneuse prend les objets volés. Bah, trop tard. Yo, grand-père. Gott schütze dich. Vendre les objets volés. Ich habe hier Dinge. Attends une seconde. Cheval, prendre tout. Ok. Ich habe hier. Ok. Oh. Ah oui, c'est vrai. Des objets de la guilde. Des objets modés pour une armure stylée de voleur, en fait. Mais le problème, c'est que ça coûte ultra cher du cul. La règle de Saint Frottin. Et B. Donc tant pis, allons-y. Ok, les braies nobles, oui. La coiffe de Mailong, oui. Combien t'as? T'as 1000 balles, super, du merci. Double braie rouge, chaperon. Morgenstern, shine. Chaussette rembourrée, Hercule et son régime c'est mon mien, comme chasseur, casque de couement léger, les cartes sont à moi, chapeau de marchand rouge. Ça n'a pas l'air d'augmenter mon charisme plus que ça, c'est ridicule. Chemise chic. Coupe en argent décoré. Je garde la chemise chic, on ne sait jamais. Aqua vitalis utile, coupe en argent fureur, petit nécessaire de vengeance, oui, écharpe noire, chapeau feutré marron, c'est ce que je portais, souliers de bourgeois. Ça, je peux définitivement m'en défaire. J'ai des bottes. Petit nécessaire de tout. Gourdin, il m'en faut un. Une capote sur la tête. La calotte. Je peux la virer. Les bottillons, c'est pareil. Pantalon de cavalier, bré rouge, oui. Bandage, j'en ai assez. Flèche longue distance, flèche perforante. Je peux vendre celle-ci. Flèche incisive, on les garde. Champignon de la grotte, je le vends. Flambeau, j'en garde un. Flèche de chasse améliorée, je les garde. Du pain et du ping, je vais vendre les deux. Il y a largement assez de peau qui traîne de toute façon pour me nourrir. Tout est mangeable dans ce pays de merde. Je garde 20 de menthe et ça me laisse le bonus. Ok. 20 de menthe pour 2 kilos. Et je suis quand même super lourd. Hein. C'est chaud. Hein.
C'est chaud, hein. La full armure, ça me m'alourdit quelque chose de ouf. Hein. Lass uns über den Preis sprechen. Ja? J'en propose pour 720 balles, qu'est-ce t'en dis? 700 balles? Ja. Allez. 700 balles, hein. Pouf! Du coup, je peux stocker tout ceci à l'intérieur. Comme tous les livres, le chapeau vert, les dés de malchance, extraits, flambeaux, flèches cassées, j'arrive pas à le dire. Faudrait que je m'en débarrasse. Hydromel, je vais le boire, comme ça, ça me fait de l'XP. Le pain, il est bientôt mort, de toute manière. Le pourpoint de War Horse, il faudra que je le répare un jour. C'est juste mon souci, même si c'est cela. Ok, très bien. Je n'ai pas vendu ma bardiche. Il a pas acheté. Quoique je la garde, ma bardiche. C'est toujours utile. Toujours utile. La chemise chip, on peut la poser. L'écharpe noire, je peux la poser. Je peux même poser la coiffe rembourrée, hein, très sincèrement. Je sais bien que c'est bien, mais l'écharpe noire, elle est là aussi. Hein. Allez. Octon doré, ça, on le garde, mais c'est pour se passer pour un garde. Le pain, ça, c'est on le posera. Ça, c'est les items. Les clés. Grosse chaîne. Un K8. Juteux. Ok. Très bien. Le pain, il va falloir le vendre ou le jeter, déposer. Très bien. L'hydromel, il faut le boire. Level up. Chapeau feutré marron. Ça change rien, mais bon, c'est un casque, donc on le garde. Écharpe noire, on va la mettre. Ah non, écharpe noire, ça change pas ma cagoule. Sauf que la coiffe noire, elle est god tier, si tu veux. Même s'il est un peu pété. Est-ce que je peux la réparer? Appliquer sur les chaussures de noble, je peux. Cet objet est trop endommagé pour être réparé. Merde. Voilà, je pose les objets de réparation. Faut aller voir un armurier ou un tailleur. Ouais, bah d'accord. Bravo. Et ben on va faire ça. Sitôt que j'aurai remis cette cagoule. Ouais, ça fait tout baisser mon équivoque, ma visibilité, mon bruit. Ouais, mais c'est la coupe de maille aussi qui fait grave de bruit. Alors que si j'enlève le haubert et le truc jaune, déjà mon bruit descend énormément, mon équivoque. Voilà, visibilité 33, c'est déjà beaucoup plus honnête. Hein. Et si j'enlève le truc de maille, 13 de bruit, ok. Le casque, c'est le casque et les gants qui font encore du bordel comme ça, hein, j'imagine, ouais. Les gants et le casque, ouais, voilà, c'est ça. Tout ce qui est en métal, en fait. Et là, sitôt que je suis en tissu, c'est safe. Après, malheureusement, c'est pas mon armure telle que je suis. Et même si je suis pas chaud pour être en armure, si tu veux, il faut... Vendre tes fringues volées, tu vas en racheter. Bon, c'est pas des fringues volées, c'est une question de temps. Disons que le sujet est malléable. Vous avez gagné niveau vitalité, j'ai pas fait exprès. Ensuite, elle est en train de faire la tambouille, et c'est vrai que je mangerai bien dans la marmite. Alimentation, non, mais en fait, je suis vraiment un gros lard, hein, faut que j'arrête. J'avoue que dormir durant une petite heure. Jusqu'à midi, si tu veux. Mmh.
C'est quand que tu la sers? Vierge ou rien. Je suis marié au Christ. Et à ma main droite. Qui dit? Je sais pas. J'ai pas pris le chien avec moi parce que pour moi Kingdom Come ça se fait pas avec un chien, ça me chauffe pas. Yeah. Je prends pas le bouclier. Bonjour madame. Schönen Tag. Schönen Tag. Putain, elle vend des choses. Marathon, qu'est-ce que ça fait? Compétence sur la vitalité, ça a l'air fou. Hein. Je vais le prendre, hein, je pense. Hein. Embrocation, qu'est-ce que ça fait? Plus d'agilité et de dessin, très bien. Filtre. Votre charisme augmente de 5 pendant 10 minutes. Hey. Voilà des potions qui ont l'air folles. Je vais vous prendre un livre, madame. Je sais pas lire, mais j'aime beaucoup les images. Par contre, pour le prix, faites gentil, 80 balles. Merci, madame. Et enfin, excusez-moi, madame. J'ai besoin que vous pansiez mon genou, que vous me laviez le cul et que vous laviez mon slip. J'ai besoin de tout. Naturellement. Oh, moins cher. Je vais pas payer autant, je vais payer un bal de plus. C'est vraiment pour faire plaisir. Zorei Toku, achète mes bâtons. Achète mes bâtons. Si t'achetais mes bâtons, je serais meilleur. Les pourboires du grand prince. C'était tellement parfait, Bob. Bah, je sais pas, moi quand je l'ai réécouté, j'étais ah putain, c'est nul, mais je suis content, ça rend bien. J'ai besoin d'une barbe. Ich nehme ihn. Das lässt sich machen, aber du musst. 15 balles. Das ist mit. Und wie viel wird? Non, là par contre, je le fais pour 13. Wie wär's da? Komm schon. 14 avait vendu. C'est pour mes clients VIP qui achètent au moins 50 bâtons. Donc, achète mes bâtons. Et en prime, voilà un bâton promotionnel. Je suis tellement content de cette vanne de merde. Tout ce sketch, on l'avait fait ensemble. Hein. On était bourrés, on déconnait. Moi, je serais très marrant, un vendeur qui est là. Il a dit, ouais, il vendrait des trucs nuls. Genre, bah oui, des trucs que tu peux ramasser dans la forêt, genre des bâtons. Il serait là, achète mes bâtons. Mais non, je voudrais le pistol blaster. Achète mes bâtons. Il s'énerve. C'est un cadeau. Je sais plus qui avait dit, c'est un cadeau VIP pour ceux qui achètent au moins 50 bâtons. Ça m'a fait hurler de rire. Ok, très bien. Terrain de tir. Taille. Arène de combat. Il est plus disponible pour m'entraîner. Bah non, il est en pleine mission, le con. Il est en pleine mission. Donc d'accord, que si lui je l'assassine, qu'il saura. Personne ou il le sait? Ou on le sait? Comment ça se passe?
Jésus le saura. Yeah. Gelobt sei Jesus Christus. Alles gut. Merci. Alles Gute. Assassin, qu'est-ce que c'est? Une épée longue forgée affûtée pour la taille. Compare à mon arme, c'est ouf. Ah. Crête de coq. Une épée courte. Cure sabot. 300 balles. Dolores. Épée. Épée d'Hérode. D'où Jésus. Hache de guerre en métal. Voilà, très bien ça. Bon, j'ai pas la force, mais... Maîtresse du mercenaire, pas mal ça. Nécessaire de forgeron, petit nécessaire de forgeron, d'accord, je comprends. Vaillante. Waouh, 1900 balles. Eh ben, il déconne zéro. Enfin. Antoinette, merde. Moi, je croyais que c'était celui à qui je pouvais péter la bouche. Frisches Gemüse. Schaut nur her. Wunderbar, oder? Monsieur, bonjour. Guten Tag. Guten Tag. Bassinet à visière. J'avoue, le gros bassinet, c'est stylé. Mais mon petit casque me va pour l'instant. Une brigandine. Ça compte comme de l'armure, ça, ou pas? Ça commence à me faire beaucoup de couches de vêtements, si tu veux. Oh, la cervelière à écailles. Chapelle en cloche. Des trucs spéciaux genoux. Cubitière de plaque. Cuirasse. Blé décoré. Des épaulières de brigandine noire. Ça, c'est intéressant, ça. Bah, ça augmente tout, mais ça coûte 700 balles. Hein. Oh, tellement cher. Hercule et son régime. Petite trousse d'armurier. J'avoue que je suis en train de me dire que réussir à pénétrer dans une boutique de nuit, ça doit être la folie du cul. Ça doit être la richesse de la chatte. Bonjour madame. Was willst du jetzt? Il y a un gardien dans chaque boutique, de nuit aussi. Alles gut. Il range tout la nuit, putain. Carton décoré, débré, capuche grise. Réparer mon merdier. Elle peut pas recoudre. Tailleur, c'est lui alors. Gott sei mit dir. Bonjour. C'est pour une réparation. Oui, et oui. Faites ça à combien? Alors il veut pas. Lässt sich was am Preis. Allez, 120 balles. Wie wär's damit? Komm schon. Oh, 125 alors. Na gut. Circuit. Super.
Faut voler les clés, j'avoue. Y'a pas celui à qui j'ai cassé la gueule là ? Galet, non. Mendiante Jeannette, non. Stéphane. Pas te casser la gueule toi, Stéphane ? Ouais, Tatakai ! Parfait. Pour les thunes. Il est divin ce cheval. Allez, ya yeah. C'est déjà un clodo, le vole pas, bah bien sûr que si. C'est pour payer les gardes. Je me dirige pas du tout vers le... Yep. Campement. Serchun. 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 Ya. Mon cheval, ça. Yeah. C'est bien, je suis en train d'explorer plein de locales là, du coup. On te dit, putain. Et là, y'a un mec qui s'est cassé la gueule, ça monte pas par là. Ya! Ya! Alors, je me suis complètement perdu. Je voulais revenir à Ratei, mais c'est raté. Bon, dans tous les cas, c'est pas comme si je voulais en vrai revenir à Ratei. Hein. J'ai complètement le pognon. Bon, je sais pas où je vais, hein. Mais j'y vais, hein, à grande vitesse, hein. À grande vitesse, qui plus est. Hein. Sanctuaire. Oh, oh, bijoux. Oh, le pretzel du crime. Oh, bijoux. Bijou. Petit crime de haine. Ok. 26 gros chênes et une pomme. Très bien. C'est pour augmenter ma furtivité.
Les routes sont pas sûres. Attends, attends, attends. J'ai pas fini d'être enculé. Voilà, la pomme, mon gars. Mmh. Ah. C'est frais. Le Christ était témoin. Y'a pas d'animaux là, sur la gauche? Non. Après la praline que je lui ai mis à Jesus Christus, il a pas compris le PQ. Hein. Il a pas compris. Hein. Alors, où suis-je? Il faudrait que j'aille plein nord et puis plein B. Voilà. Que m'arrive-t-il? Salut Saint-Pierre, Nani. Et après il lui repasse. Félicitations, vous avez accès au paradis. Vous êtes fait assassiner par un fou furieux. Comment ça? Le replay. Et ainsi Émile Louis améliorera sa furtivité. Ah putain. Oh un autre, mais il y a une fameuse là-bas, donc c'est pas une bonne idée. En vrai ça se fait hein. Le veilleur il se chaparde. Bon après il y a la fameuse. Yeah. Prenons pas de risque. Ah, j'ai fière allure sur mon cheval. Ne prenons pas de risque. Et entraînons-nous à l'archerie. C'est pas ça. Yeah. Que le prochain Pégu qui passe, j'aimerais bien lui mettre une tête. C'est pour m'entraîner à l'archerie. Les vraies excuses. Rien sur la route. Ce fut rapide. Plus qu'à faire une petite descente pour le rouquin chez les charbonniers en mode soldat du roi si tu veux. Was glaubst du, was du da tust? Gleich werde ich die Wachen rufen. Bredzel. Bred de Zee.
Daisy. Bonjour. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Ich suche nach Rotschopf aus Neuhof. Weißt du etwas über ihn? Na, ich kenne ihn. Was willst du von ihm? Ich muss ihm ein paar Fragen stellen. Nun, dann wirst du woanders hin müssen. Gewöhnlich kommt er nicht hierher. Ich muss wirklich mit ihm sprechen. Beim Gestüt gab es ein Massaker und der Junge weiß womöglich etwas. Ich muss ihn befragen. Du denkst, er hatte seine Finger im Spiel? Schwer zu sagen. Er ist weggerannt. Andererseits hat er wohl einen der Angreifer erstochen. Wenn du so daherredest, muss es wohl dringlich sein. Ich kenne ihn, aber nur vom Sehen her. Er ist mit den Köhlern unten bei Thalmberg befreundet. Hab ihn dort mit den Zwillingen gesehen. Stromabwärts bei Thalmberg? In der Nähe der Burg? Wenn du dem Bach nach Westen folgst, solltest du auf sie stoßen. Und eins noch. Ja? Ein paar andere Kerle haben nach ihm gefragt, aber sie waren nicht so... Gott behüte dich. Okay, gut. En amont, en aval. C'est du vol ou pas? Ça a pas l'air. Ok, c'est dans ce sens-là. Oh, des truites! Mais divin! Donc, il suffit de suivre la rivière en aval. Donc amont vers la montagne, aval vers la vallée, donc vers le bas. Et ben suivons. Même si ça va être la bite à suivre cette... Là-bas. La belle bait. Des bisous à ta femme. Ben, merci Crazy Bisous, non. Oui, il y a le tournoi, oui, mais tant pis. Le tournoi, il revient de temps en temps, non? Yeah. Il y a des lapins dans la zone? Des choses qui bougent? On voit pas. Ça doit pas être l'heure. Yeah. Yeah. En tout cas, je coupe sec. Hein. Un autre truc de Charboniax. Cinq cailloux là. Oh, Pégu. Côté charisme, je suis pas là si tu veux.
Gott sei mit dir. Ok, George Weasley, il est où le rouquin? Wo habt ihr Rotschopf versteckt? Was? Komm mir nicht so. Ich weiß, dass er mit dir und deinem Bruder befreundet ist. Ich muss mit ihm über das Massaker beim Gestüt sprechen. Er ist der einzige Zeuge. Na gut, ich sag's dir. Aber zuerst musst du dich um die zwei Schurken kümmern, die nach ihm suchen. Ja. Dann kannst du mich gleich zu ihm bringen. Denn die Banditen sind erledigt. Gut. Wenn es denn wahr ist. Wenn du mir nicht glaubst, führe ich dich zu ihren Leichen. Na gut. Ich glaube dir. Rotschopf versteckt sich in der verlassenen Hütte. Nimm die Straße nach Norden Richtung Uschitze, bis du rechts einen Weg siehst, der an der Quelle endet. Von dort führt ein überwucherter Pfad zu Rotschopf. Ist aber leicht zu übersehen. Hab Dank. Je voulais accepter, mais j'ai raté. J'ai littéralement appuyé sur un autre bouton, alors que je voulais accepter. C'était une erreur de ma part. C'était une erreur, j'arrive. Er hat die Wahrheit gesagt. Hätte ich nicht gedacht. Oh ja. Ich dachte, er versteckt sich vor dem Stallmeister. Aber so war es nicht. Wäre nicht das erste Mal, dass er seinen Meister zur Weißglut treibt. Ich dachte, es ging um ein Weißpferd. Weißt du noch, als er eins der Pferde davon Strohmann ließ? Er kam mit glühendem Arsch angerannt. Dieses Mal stand er wirklich in Flammen, was? Leur parler. Vielleicht, andererseits. Pardon, c'était la sauvegarde automatique, je m'excuse. Yeah. Ok. Au! Doch auf, du Flegel! Du hättest mich fast um... Ich hoffe, ich... Wo habt ihr... Was? Komm mir nicht so... Na gut. Gut, ich erledige das. Freut mich zu hören. Schätze, sie sind irgendwo zwischen unserem Lager und dem unserer... Es gibt dann einen Weg, der... Bla. Gut, dann werde ich dort so... Blablabla, okay. Ça, ça veut dire, enlève ton slip jaune. Enlève tes vêtements qui font du bruit. Mets l'écharpe noire. Voilà. Et let's go Metal Gear. On part à la chasse. Qu'il a dit. Entre les petits campements, il y avait un chemin qui y menait. Tu es bandit, putain. Si en plus je pouvais trouver de la belladone, ce serait faire d'une pierre deux couilles. La chasse au roukmout est ouverte, j'avoue. Qui sont là.
ça ferait du sens. Hein. Deux bandits, ils ont dit. Il y en a un que je peux avoir à la flèche. Et l'autre au cac, peut-être. Je suis pas encore assez fort pour... pas encore assez fort pour me faire du 2v1. Ich hab dich. Es wird dir noch leid tun, geschossen zu haben. Merde. Du wirst leid. Ich bin molesté. Molesté. J'ai raté mes deux flèches et c'est la molestation. Der Schütze. Jetzt steckst du in der Scheiße. Pas, ça touche. Soll das etwa alles sein? J'essaie de faire une contre-attaque, mais j'y arrive pas. Jesus Christus! Ça touche. Bien joué. Bien joué ça. Oh yeah, hat das weh getan? J'essaie les esquives mais j'y arrive pas. Gut getroffen. Les contre-attaques aussi, mais j'y arrive pas. C'est un timing. Mais les esquives, j'y arrive pas. Ça trigger peut-être pas, ça proc pas. Peut-être c'est un proc, peut-être c'est un skill, peut-être c'est à la main. Putain, là tu vois, j'ai essayé de le faire, mais c'est pas passé. Putain de chier de merde. Il fait des esquives lui, moi j'y arrive pas. Ah! Verflucht! Celle-ci je l'ai réussi. Hast genug vom Leben, was? Bien joué. Voilà. Je me chauffe. Ah, esquive, c'est ça. Bordel de chatte. Ah.
Haha. Ok, les esquives c'est avant que le bouclier apparaisse. Bah, il est mort. Mais pourquoi il est mort? J'ai paré son truc et il est mort comme un caca. Merde alors. Il s'est vidé de son sang, mais quel nul. À gauche. Beaucoup trop en ligne droite. J'arrive pas à viser, hein. Trouver ton armure lourde. Non. Je veux m'entraîner avec l'armure légère. Je veux aussi réussir à lui mettre une flèche à cet enculé là-bas. Le problème, c'est que je panique, je tire et je regarde pas où est-ce qu'elle tombe. Wer ist da? Tac! Celle-là, il l'a payée. Tac! Ping, ouch. Das nennst du kämpfen. Bien vu. Des deux, c'est clairement lui le plus agile. Ping. Ah. Entraîne-toi, respire. Temporise. Oh là là, la belle. Tac. Oh l'esquive. Tac. J'ai pas le temps de contre-attaquer à temps, mais... Ouh là là. Dafür bezahlst du mit dem Leben. Ah, bien joué. Très bien joué, ça. Ping. Ah. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Tac. Trop court. No curva. Hey. Bien joué. Oh yeah, hat das weh. Oh là là! Fais des contre-attaques automatiques, eh? C'est fumé? Komm schon! Hurensohn! Hurensohn? Fils de chien, ouais, littéralement. Hein. Bien joué! Tui! 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 Ah putain! Cette petite tape. Ah, oh putain, mais ça c'est immonde! Tu respires, mec? Oh là là, pourtant je pensais l'avoir esquivé celle-là. Derrière nous. J'arrive pas à contre-attaquer derrière une esquive. Est-ce qu'on peut contre-attaquer derrière une esquive? Parce que... Ouh là là. Putain. Je crois pas, d'accord. Yeah.
getroffen. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Il est tellement fort. Wer ist da? Was ist das? Merde. Toujours à gauche, hein. Ich hab dich. Es wird dir noch leid tun, geschossen zu haben. Das lässt du kämpfen. J'ai pris la Max. J'arriverai pas à lui mettre une tête, hein. Essaie d'aligner très légèrement les phalanges de ta main gauche sur la cible, ça a l'air d'être ça. Hein. Hey, wer ist da? Ça va être tellement dur. C'est tellement difficile de monter l'arc. Parce qu'en fait, pour monter l'arc, faut que ça touche, si tu veux. J'ai touché ou pas là? Si, ça a touché quand même. Ça, das ça du kämpfen. Ok, allons-y. Si. Entraînons-nous le plus possible. De rien. Ça touche. Ah. Bien joué. J'avais toute ma garde, mais j'ai pas levé bien. J'ai tout pris. Spoke. Ça touche. Alors là, j'ai rien paré, j'ai tout pris. Pourtant, j'ai bourré, hein. Alors, l'objectif est quand même de m'entraîner, donc tu me diras. C'est de temps en temps, il y a la parade qui vient, mais parfois non. Je me pose la question. Ich schlachte dich ab. Il est mort. Et j'ai gagné un niveau en agie. Excellent. Par la grâce de Dieu. Hmm.
Apparemment, j'ai été blessé à la tête. Vous pouvez pas penser, vous ne saignez pas. Bon, bah très bien. Une bague en argent, deux bagues en argent. Capuche noire et blanche, spray recousu. Chaussures et semelles noires. Cuitière de plate. Hey. Des flèches. Les gants de chasseur, ce qui a une valeur assez folle. Du gros chien. Et des pommes. À manger. Mon alimentation est bonne. Effectivement, tout ceci m'a pris plus de temps, mais ça valait la peine. L'expérience de combat a une valeur folle. En fait, du moment que les ennemis ont pas le droit de faire des contre-attaques automatiques, qui sont complètement pétées, je trouve. Ça, les contre-attaques, t'as attaqué, bah t'as perdu. T'as attaqué, voilà des points de vie en moins, c'est dégueulasse. C'est la punition, si tu veux. Tant qu'on n'en est pas là, je trouve ça bien. Je pose le gourdin parce que, bon, sincèrement, peau de chien, peau de vache, et bah écoute, on a tout ce qu'il faut. Voilà, très bien. Son épée, Bob. Ah! J'ai peur de ne pas la voir, son épée. Ah, la voilà. Maîtresse du mercenaire. C'est la mienne, mais au moins bien. Je la mets sur le cheval. Pareil pour les bardiches. Et toutes les flèches. Pas besoin d'avoir autant de bordel sur soi. Quant au cubicier de plate, c'est vraiment pour faire joli. Hein. C'est vraiment pour ajouter le charisme. C'est gros équipement de garde. Quand même, je me suis bien fait péter la gueule. Hein. Je peux pas genre m'y rendre automatiquement? Non, hein. Je suis obligé d'y aller manu militari. Bah, très bien, allons-y. En tout cas, on leur a bien pété la gueule à ces gens-là. J'ignore s'ils étaient hostiles ou pas. En vrai, je pense pas qu'il l'était, mais je suis content de leur avoir cassé la bouche. Ça m'a donné d'expérience assez valuable, assez folle en fait. Surtout, notamment, les esquives sont pas aléatoires, il faut juste les faire plus tôt que les parades parfaites. Les esquives m'offrent pas d'avantages intrinsèques. Les parades parfaites sont plus efficaces. Éventuellement, les parades parfaites me donnent l'occasion de contre-attaquer ou voilà. Yeah. Hau ab. Scheiße.
Nein! Geh weg! Lass mich schlafen! Enfin, qui voudrait bien me parler? Ok, il veut pas me parler. Si j'attends jusqu'au petit matin, la quête elle marche toujours? Tant pis. Bon. J'espère que l'autre il sera pas décidé à mourir si tu veux. Par contre, il se fout de ma gueule, il était genre 9h du soir. Il est où? Ah! Le voilà! Guten Tag! Guten Tag, enculé! Mach dir wegen der Banditen keine Sorgen. Ach ja? Und das soll... Wenn du willst, kann ich dich zu ihnen führen. Na gut, ich glaube dir. Rotschop versteckt sich... Dort ist ein überwucherter Pfad, der dich direkt zu Rotschop führt. Gut, danke. Liebe wohl. Okay. Donc, il a dit que maintenant Rouquin se trouvait dans un chemin... Au nord et à l'est d'ici, mais il y a un chemin en friche qui y mène. Et ben on va couper. On va couper par la pente. Voilà. Oula, l'arbre. Tout va bien. Oh là, bijou, oh là. Bijou. Champignons. Des bleuets. Waouh, il y a aucune planque qui se ramasse là-dedans, vous êtes sérieux, c'est tout bleu. Putain, sacré planque qu'il a cet enculé. Hein. Allô. Ah. Ich bin unschuldig. Ich hätte gar nichts tun können. C'est ça, c'est ça. Ich war wie erstarrt. Konnte nicht mal den Mund aufmachen. Kein Sterbenswörtchen konnte ich sagen. Die hätten mich kalt gemacht, wenn ich gesungen hätte. Ich hätte nichts tun können. Ich bin unschuldig. C'est ça, tu diras tout ça au poste. Gott, das eine mühsame Suche. Was willst du von mir? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wieso bist du geflohen? Wo sind deine Spießgesellen und warum hast du den Banditen getötet? Was?
Gut, eins nach dem anderen. Jetzt erzähl mir genau, was passiert ist. Und lass nichts aus. Das ist eine lange Geschichte. Und gut. Keine Sorge, ich langweile mich nicht. Also gut. Ich wachte mitten in der Nacht auf, weil ich pissen musste. Also bin ich wie immer im Dunkeln nach draußen. Nur war da was, das dort nicht sein sollte. Zuerst dachte ich, es wäre nur ein Lichtspiel. War es aber nicht. Und dann war es zu spät. Sie liefen an mir vorbei. Ich dachte, es sind Pferdediebe. Ich wollte schreien, aber hatte Angst, dass sie mich töten. Ich wartete, bis sie weg waren und schlich mich davon. Doch dann... Begann das Gemetzel? Genau. Ich dachte, sie würden die Pferde stehlen und wegreiten. Aber dann begannen sie, die Leute abzuschlachten und Feuer zu legen. Und es war schrecklich. Die Hölle auf Erden. Und dann? Es schien mir, als ob es einigen von ihnen auch nicht gefiel. Sie begannen zu streiten und ein paar rannten dorthin zurück, wo sie hergekommen waren. Direkt auf mich zu. Und ich hatte einen Hufkratzer in der Hand. Also hast du den ersten abgestochen? Nein, nein. Er rannte mich über den Haufen und ich fiel zu Boden. Für jemanden mit einem Hinkebein war er ganz schön schnell. Er sagte, ich soll mich verstecken, wenn mir mein Leben lieb ist. Dann hat er sich davon gemacht. Ich tat wie geheißen und versteckte mich. Dann lief der Rest der Bande vorbei. Und dann? Ich hielt mich weiterhin versteckt, falls der Hinkende aus Uschitze zurückkommt. Als ich mich endlich hervortraute, war es schon fast hell. Weißt du, worüber sie sich stritten? Ich habe nicht alles gehört, aber ich schätze, einige von ihnen wollten nur stehlen und niemanden töten. Ja. Was ist mit den anderen? Ist dir irgendetwas aufgefallen? Weiß nicht, es könnten 8 gewesen sein. Klingt furchtbar. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Hätte ich doch geschrien. Vielleicht... Hättest du geschrien, wärst du jetzt tot. Und genützt hätte es sowieso nichts. Trotzdem. Du hättest nichts tun können. Das war alles. Warum hast du den Banditen getötet? Welchen Banditen? Ich habe niemanden getötet. Das gehört dir, oder? Habe ich beim Gestüt aus einem toten Banditen gezogen. Ist mein Hufkratzer, aber erstochen habe ich keinen. Dieser Kerl nahm ihn mir weg. Huit, moins les deux, le type qui s'est pris le sabot et celui que Bob a tué. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Merde, du coup, j'ai pas lu. Parce qu'il y a du drama sur le chat et je m'en bats les couilles, je vais bannir à gauche, à droite. Mais la question, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé, du coup? J'ai pas lu. Hashtag... LOL didn't read. On lui a pris son truc, d'accord. C'est pas lui qui l'a tué, d'accord. Wieso hattest du es so eilig zu fliehen? Weil ich dachte, dass sie zurückkommen und mich töten. Wer? Na, diese Banditen natürlich. Um sich für die Ermordung ihres Freundes zu rächen? Ermordung? Ich hab keinen getötet. Gott ist mein Zeuge. Bon, jetzt erzähl mir und lass... Du musst mir nicht ab... Ich erkannte nur einen von ihnen. Einen hinkenden Kerl aus Uschitze. Er wohnt in einem Haus am Dorfrand und geht in die Schenke, wann immer er... Was weißt du sonst noch? Nichts. Okay, d'accord. Jetzt erzähl und lass nicht... Das ist... Ich weiß alles, was ich wissen... Warte! Was ist mit mir? Würdest du mir helfen? Vielleicht. Worum geht es? Ich möchte zum Gestüt zurück. Aber die Halsabschneider, die mich töten wollen, sind noch irre. Ich bin ihnen begegnet und habe sie aus dem Weg geräumt. Wirklich? Das ist toll, aber... Was? Ich habe Angst, zum Gestüt zurückzukehren. Immerhin bin ich weggelaufen und... Ich könnte sie fragen, wenn es dir wichtig ist. Das würdest du tun? Ihren Respekt hast du bestimmt. Immerhin ist... Okay. Bon. Alors, ça veut pas dire... C'est pas parce qu'on va aider Rouquin
Que ça veut pas dire qu'on va pas lui voler le cul. Très bien. Ok. C'est pas par contre. Bon, ça c'est un lapin. Tire-toi. Voilà. Et ça, c'est mon cheval. Ok. Ok. Donc là maintenant, il faut que je retourne au village, on est d'accord. Qui est là, et que je parle à tout le monde. On peut faire un petit déplacement rapide. De l'amour. De l'amour. Bidi bidi. Mon alimentation commence à baisser, mon énergie, il va falloir que je dorme, parce que ça fait deux nuits que je passe à attendre en full nuit blanche. En tout cas, c'est le capitaine qui va être content. Ce fromage sent suspect. Il pue pas comme les autres, j'avoue. Et pourtant... Alors, ne faites pas ça à la maison. Hein. Manger une tome de fromage entière... C'est pas bon pour la santé, les enfants. Vous allez vous déshydrater le cul, vous allez pas comprendre. Vous allez être sec comme une couille. Là, caillou. Oh là, bijoux, oh là. Oh là, bijoux, oh là, bijoux. Oh là, pierre. Voyons voir. Ich möchte ein Pferd kaufen. Das freut mich. Wir haben das. Hast du dich umgesehen? Noch nicht. Dann sieh dich in den Ställen. Dann viel Glück. Attendez. Auf Wiedersehen. Oh. Bon. Mais que fait le seigneur de rater ici? Pardon, attendez, excusez-moi. Déjà, il faut que je sauvegarde, puis que je parle à Miss Zoé pour qu'elle reprenne le rouquin. Il va falloir que je comprenne comment ça marche, le cheval, aussi. Hein. Pardon, madame. Madame. Je vous en prie, madame. Merci.
Ich habe Rotschopf gefunden. Er bat mich zu fragen, ob du ihn wieder aufnimmst. Und warum sollte ich? Er könnte schuld am Tod meines Mannes sein. Was? Weshalb sollte er sonst geflohen sein? Die Männer sagten, er war nicht im Bett. Er hatte sicher kein reines Gewissen, weil er den Halunken ein Zeichen gab. Nein. Er floh, weil ihn einer der Angreifer erkannte und er fürchtete, dass der zurückkommen und ihn töten würde. Alles nur Ausreden. Das würde der Angreifer nicht wagen. Aber sie kehrten am selben Tag zurück. Wäre er nicht geflohen, hätten sie ihn und alle anderen getötet. Wieso hätten sie das tun sollen? Wieso nicht? Sie hatten bereits einige ermordet. Wieso nicht ein paar mehr? Und ich soll ihn jetzt wieder aufnehmen? Was, wenn sie wegen ihm zurückkommen und dabei eine meiner Töchter töten? Die zwei Halunken, die ihn verfolgten, sind tot. Und die anderen haben keinen Grund zurückzukehren. Und was, wenn doch? Ich nehme ihn nicht zurück. Tout est sous contrôle, Madame. Trouve un accord. Ich verstehe deine Bedenken. Bitte doch Herrn Hanusch darum, hier eine Wache zu postieren. Ein paar Stallburschen mögen die Banditen angreifen. Einen bewaffneten Mann kaum. Mir wäre sehr viel wohler, wenn jemand ein paar Tage Wache halten würde. Dafür kann gesorgt werden. Herr Bernhard hat sicher nichts dagegen. Nun gut. Rotschopf darf zurückkommen. Möge Gott über dich wachen. Bon, va bien. Personne à gauche, personne à droite. Ah, mien. Oh, c'est ouvert. Ah. On va lui laisser ses slips. Je me sens d'humeur généreuse. Alors, examine le cheval. Plus de vitesse, plus de capacité, plus de courage et plus d'endurance. C'est un bon cheval. Et il s'appelle Cheval. 37 vitesse, 220. Il s'appelle Cheval. 39 de vitesse, il s'appelle Cheval. 35 de vitesse, c'est peu de courage. Il me plaît, lui, hein. Il s'appelle Cheval. Mise poignée. Ich möchte ein... Das freut mich. Hast du dich um... Ja. Die Besten. Hast du dich für eines entschieden? Et merde. J'ai pas regardé les bons. Je vais y réfléchir, madame. Ils sont où? Parce que eux, ils s'appellent juste Cheval. Ils sont où, ces chevaux? Les bons? Les vrais? Ils sont tous dans un champ de lin. Il y a deux bâtiments derrière. Genre là? Putain. Et merde. Putain. Ah! Oui. Attends, mais là, il y a des chevaux, c'est les bons? Putain, j'espère c'est eux. Cheval, merde. Semic. 32, 34. Ok. Bayard. 5260 Bayard. Moi je cherche du poids et de la vitesse, hein. Le reste je m'en fous. Non, il vaut rien. Bayard est pas mal. Kelpie. Non.
Bonjour. 3. 34 et 292. 34, 292. 3, c'est pas mal. Hein. Bayard aussi. 39, 252. Alburac. Il est pas mal. Il est pas mal, Alburac. 36, 276. Oh, bucéphale. Il fait plaisir. 38 200 212 37 188 39 252, un tulpar aussi hein. Il a pas une belle robe tulpar. Endurance est très bien, hein, l'endurance est très bien. Bucéfa il est là hein. 36 276. Et 3 il était combien? Alors Alburac c'est 39 252 et 34 292, donc 3 il est pas mal aussi. 3 Albaric ou Bucéphale, hein, faut voir les prix. Et Tupac. Oh, non, Tupac, bof. Là, je peux pas passer. Et attends, fais voir les robes. Almurac il est blanc, ce qui est pas mal. On va voir les prix que ça propose, hein. J'espère que j'ai les thunes. Ich möchte ein. Das freut. Hast du dich umge. Ja. Die Best. Hast du dich für. Oh, Bucéphale. Il est pas là, Al Machin. Il est pas Albaric. Parce qu'au pire, bon, il y a 3, mais. Alors, Bucéphale. Das Pferd eines R.O. 2-4-3. Vielleicht ein. Das stärkste Ross. Nur fühle ich mich in seiner Gegenwart unwohl. Un K4, un cher. Vielleicht ein anderer. Ah, c'est Burak, Tier 5. Ein wunderbarer Araber, einfach himmlisch, wenn man ihm in die Augen. K7. Vielleicht ein anderer. On va se contenter d'un 3. Das stärkste. Nur fühle ich mich in seiner Gegenwart. Ja, très bien, 3. Bestimmt gibst du es mir billiger, wenn. Allez, fais-le moi 1350. Einverstanden? Nur ein wenig. 1400? 380. Allez, tape là. Auf Wiedersehen. Excellent. J'ai donc un nouveau cheval. Petit petit, il est là, il est beau. Mais oui, il me faut une selle. Il me faut des choses à des prix somme toute modiques. Éperon de cavalier. J'ai combien? J'ai 400 balles. Il me faut des sacs. Oh les sacs, ça vaut 900 balles! Pas là-dessus. J'ai cru que c'était un lapin. Est-ce que tu peux porter des choses quand même, hein? Oui, tu peux quand même porter 292, hein. Ouais, on est à poil dessus, mais... Chope la selle de l'autre. On peut faire ça? On peut voler le matos à un cheval? Tu as repris ce qui était sur ton cheval avant, Bob? Non, pas du tout. J'ai bien peur que non. Bon, en plus, ils ont pas eu la gentillesse de me le rendre, si tu veux, donc non. Tant pis.
Ah si, non, attendez, j'ai rien dit. Ok, ouais. Ok, bon. Écoute. 8, 39. Better than nothing. La bourde, non, c'est bon. Better than nothing. Voilà, regarde-le. Il est beau comme ça. 3. Eh ben, 3, c'est un beau nom. J'aime beaucoup. Beau bourrin, ça. Hein. Mais c'est quoi la quête ? Avertir Rouquin qui peut repartir au Arras. Putain, quel enfer. Enfin. Capitaine. Kannst du mir zeigen, wie ich mich verteidige? Selbstverständlich. Ich möchte die Grund. Gut. Ist das nicht einverstanden? Amélioration défense. Wouhou. Ich wäre gerne. Selbstverständlich. Ich möchte die. Gut. Ist das nicht etwa einverstanden? Nun. Einverstanden. Gott. Ouais. Ich habe von Rotschopf erfahren, was geschehen ist. Dann raus damit. Rotschopf floh, weil er einen der Banditen erkannte und fürchtete, dass sie zurückkommen, um ihn zu töten. Nun, er hatte recht. Sie haben nach ihm gefragt. Wen hat er erkannt? Seinen Namen wusste er nicht. Einen hinkenden Kerl aus Uschitze. Gut. Da du schon so weit gekommen bist, kannst du dich auch in Uschitze umhören. Wir haben hier genug zu tun. Herr Ratzig wird dir mehr dazu sagen. Er will dich sehen. Très bien. Lebe wohl. Sauf que on va aller révéler les informations, annoncer l'avancement de l'enquête au Seigneur Radix. Est-ce que vous pensez que j'ai le temps d'aller prévenir Rouquin? Parce qu'il faut que j'y aille si tu veux. Yeah. Je peux pas faire un déplacement rapide. Non, hein, je suis obligé de faire ça manuellement, hein, putain. Bon bah allons-y. Alors certes, il a 6 de courage, mais ça m'a l'air d'être un bon canasson. Il me plaît. Et puis s'il me fait tomber une ou deux fois. Pourquoi tu penses que t'as le temps de rien faire? Parce que le réalisme de la chose fait que lorsque ton supérieur t'attend dans la pièce à côté, t'as pas le temps d'aller faire un retour, un aller-retour à l'aéroport de Paris, si tu veux. Hola, hola, Clodo, hola, hola. Que faites-vous, Clodo? Que faites-vous? Dangereux de sous-voyager durant les temps qui courent, monsieur Clodo. Dangereux. Dangereux. Oh là, voyez Clodo. Oh là, voyez. Nugzi. Tu dis rien, Troy. Ce sera notre petit secret. De 4 balles. Hein. C'est pour l'XP. Meilleure excuse. C'est dense. Bon cheval, ça.
mal, ça. Ouais, j'entends que tu souffres, t'inquiète, t'inquiète. C'est bientôt fini. C'est là où on s'était arrêté avec le seigneur, mais j'avais tout pris, hein. J'avais tout pris. Sauf une alimentation équilibrée, si tu veux. Le mec, il mange des faillots en pleine nature. Les trucs, ça fait 800 ans qu'ils cuisent, personne ne les a jamais regardés, si tu veux. Ça colle tellement au fond de la marmite, tu lèches le plomb. Le plomb, il croustille. C'est le degré de violence. Même Papacito est là. Non mais calme-toi, garçon. Arrête de faire le fifou. Mange pas ça. Du kannst zurückkehren. Es war Schwerstarbeit, sie zu überzeugen. Also mach bitte keinen Ärger. Hab Dank. Ich würde dir gerne etwas geben, wenn du jemals bei Neuhof vorbeikommst. Ah. Il me montrera un truc avec les chevaux. Excellent. J'ai pas perdu mon après-midi à galoper comme un enculé. Bon, d'un côté, je suis tenté d'y aller à pied parce que ça voudrait peut-être dire que je peux... comment ça s'appelle ? Que je peux peut-être trouver des gens sur la route. Et qui dit trouver des gens sur la route veut dire mettre des béquilles, si tu veux. D'un autre côté, bon. Fouille le coffre. Arrête ! Arrête ! Arrête ! Si t'offres un cheval, je rigole, hein, j'avoue. Bon, en même temps, il y avait quoi dans ce coffre ? Il y avait rien, si tu veux. Calmons-nous bien. C'est pas les coffres des tours de garde où tu trouves des armures intégrales qui valent un pognon ! At this moment, he fucked up. Khaled qui met Proto Magical Girl sur les émotes. Ok. Un cheval, ça met combien de temps à se blanchir ? La violence des propos. Yeah. J'ai peut-être le temps. Apparemment, il a rien vu. Divin. Voilà, ici, ce sera parfait. J'ai pris une grosse pierre. J'espère qu'il n'était pas important. C'est le veilleur, merde! Bon. Mais sérieux, quel est l'intérêt? Augmenter ton skill de furtivité. Faut savoir que ce jeu est buggé.
dans le sens où ils ont toujours pas réussi à régler ça, ou du moins à le rendre plus clair. Lorsque tu sneak et que tu es en discrétion à côté d'un ennemi, et que genre t'es à 1 mètre de lui, et que tu sais, tu passes ta vie à 1 mètre derrière lui, à le suivre en discrétion sans qu'il t'entende, ça n'augmente pas ta barre de discrétion. Pour augmenter ta barre de discrétion, il faut assommer des gens, faire un peu de pickpocket et ouvrir des coffres. Voilà. C'est pas moi qui invente, hein. Donc en fait, sneak dans le jeu, ça augmente pas ton score de sneak. Ou alors ça l'augmente, mais ça marche jamais, en fait. Mais faut pas les tuer. Ah non, ça, la raison pour laquelle je les tue, c'est parce qu'en fait, la dernière fois que je les ai laissés vivants, parce qu'au début, je les assommais juste et je les mettais dans la rivière, si tu veux. Tu sais, je les mettais pépèses. Et en fait, après, ils se réveillent et ils disent aux gardes que c'était moi. Tu sais, parce qu'ils me reconnaissent, en fait. Ils disent que c'était un mec avec une barbe et un costume jaune. Et du coup, bon bah... du coup... je me débarrasse des témoins, mais de manière rétroactive, si tu veux. C'est parce que le mec, bon, il est assommé, donc il va pas témoigner, mais de manière rétroactive, c'est important de se débarrasser de lui. Témoin, c'est important. Alors, sanglier. Perte de l'endurance à un adversaire qu'on le bousculait. 10% de chance d'assommer un adversaire avec une frappe à la tête, ça a l'air important, ça. Regarde, il fait plus de dégâts, mais coûte 10% plus d'endurance. D'accord. Et mule 2, 20 livres de plus. Je sais pas ce que vous pensez. J'hésite entre brise-crâne et mule. Hein. Ouais, mule. Hein. Ouais, d'accord. Allez, mule. Vitalité, j'ai un point. Coureur de fond, coureur de vitesse et sans poisseux, ni l'un ni l'autre, ni le dernier. Éloquence, j'ai pas de points. Charisme, j'ai pas de points. Test, santé, énergie, alimentation. Le principal, j'ai pas de points. Très bien. Combax, j'ai 2 points à mettre à l'épée. Coup contondant. Centre, gauche, bas. Le truc, c'est que je sais pas lesquels sont les bons, en fait. Lesquels sont des combos qui valent la peine. Bernard va t'expliquer plus tard, très bien. Attendez une seconde, personnage, compétence, on va voir. Alcool, j'ai 1 point à mettre. Œnophiles pour le vin. Dipsomanie, c'est quand je tremble, quand je suis bourré. Chasse, défense et ramure, on le garde selon ce qui nous arrange. Crochetage, on garde les points. Entretien, bottes de 7 lieues. Si vous portez des bottes réparées par vous-même, consommerez 20% d'endurance en moins en courant. Ça a l'air fou. Après avoir lavé vos vêtements, vous obtenez un plus 1 en charisme pendant un jour. Ça a l'air fou. Rembourrage. Quand vous réparez votre armure, vous faites moins de bruit. Ça a l'air fou. Botte de 7 lieues, ça a l'air ouf. Je vais le prendre. Équitation, furtivité, j'ai 2 points. Manipulation, ça c'est pour les étrangler. Danseur de pluie. Sous la pluie, le bruit de vos pas est étouffé de 70%, c'est fou. Plus ça en force tant que vous restez dans les lieux de votre crime sans être interpellé. Mal ça. Caméléon, 30% en furtivité quand vous restez accroupi sans bouger. Ça a l'air fou. Meurtre furtif, ça a l'air fou. Voilà. Vol à la tire, camarade, non. Réduit les chances d'être repéré, très bien ça. Les vols à la tire, le curseur se déplace 2 fois plus vite dans l'inventaire de la victime, c'est important ça. Révèle les statistiques de la moitié des objets dans la bourse d'une victime de vol à la tire. Révèle une main de loin des objets de l'inventaire d'une victime de l'ordre d'un tir. Qu'est-ce que vous pensez qui serait bien? C'est fou. Ouais, le curseur. Hein.
curseur plus rapide. Hein. Et le deuxième ? Ça veut dire quoi ? Révèle les statistiques. Contrôle de la foule, ça a l'air useless. Tu vois les niveaux, le nombre de sous, tout ça. D'accord. Le nombre, la valeur et l'état de l'item. Ben ça, dans ce cas-là, le nombre et la valeur de l'état de l'item, on s'en bat les couilles. Ce qui est important, c'est le fait de ne pas perdre son temps à révéler des objets, en fait. Donc c'est perception des poches qui serait bien. Un des objets, trois objets, ouais, non. Et perception, tous les objets de l'inventaire, ouais, c'est cela. Perception des poches, un camarade, bof. Hein. Voilà, c'est ça qu'on perd vraiment du temps, si tu veux. Et ben, très bien. Très bien. Bob et Kim t'attaquent pour les assassinats. Il n'est pas possible d'équiper la dague si vous arrêtiez d'être débile. Ces infos de chat. En tout cas, j'avoue que ça me donne envie de tester sur un Pégu. Hein. Après, c'est vraiment pour le test. Oh, oh. Ah, ça nicht. Ça nicht. Putain. Ein Mörder. Lasst. Oh. Mein Gott. Oh. Eine Leiche. Hier. Oh. Hier. Lasst ihn nicht. Kommen! Verflucht! Alarm! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Je peux pas. Je peux pas l'attaquer. Genre l'option pour l'attaquer n'existe pas. Et t'es à Hilfe. Je peux pas lui mettre un coup de surin si tu veux. Ok. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Rotschopf, einer der Stallburschen aus Neuhof, floh von dort und versteckte sich bei ein paar Köhlern. Ich muss sagen, von denen gibt es dort viele. Ich hätte nie gedacht, wie viele Öfen und Eisenschmieden sie beliefern müssen. Wohl wahr, aber bleib bei der Sache. Ja, Herr.
Ihn zu finden war nicht leicht. Er hielt sich versteckt und das aus gutem Grund. Die Banditen wollten ihn töten, weil er einen von ihnen erkannt hatte. Erzählte er dir, was geschehen war? Er sagte, es war nicht eine Bande, sondern zwei. Die einen bekamen Angst, als das Gemetzel begann. Sie wollten wohl nur Beute machen und stritten mit den anderen Banditen. Sie gerieten im Wald aneinander und dabei wurde einer getötet. Der Rest verstreute sich. Konntest du herausfinden, wohin? Einer von ihnen ist aus Uschitze. Ich weiß genug über ihn, um ihn aufzuspüren. Gut, aber die Halsabschneider kennen ihn sicher auch. Wenn sie sich rächen oder ihn zum Schweigen bringen wollen, musst du ihn zuerst erreichen. Lass alles stehen und liegen und folge seiner Spur. Ich reite zu unserem Lager nach Merhoyet und kümmere mich um die Sicherheit der Region. Ja, Herr. Weshalb nach Merhoyet? Es liegt im Zentrum der Ereignisse, nicht wahr? Herr, glaubst du, sie werden das noch einmal tun? Das bezweifle ich. Alle sind jetzt in Alarmbereitschaft. Die abgelegenen Dörfer sind leichtere Ziele. Dort leben nur wenige Menschen, die auf ein großes Gebiet verstreut sind, und wir können nicht alle beschützen. Aber dort werden die Banditen kaum Silber vorfinden. Ein, zwei Groschen finden sich immer. Und wohl wahr. Sie hätten sie stehlen und verkaufen können. Richtig. Es geht also nicht um Silber, sondern um etwas anderes. Aber um was? Um Angst. Sie wollen Angst schüren, damit niemand einen Mucks macht oder die Hand gegen sie erhebt, wenn sie kommen, um zu morden. Angst, die einen erstarren lässt. So wie ein Hase im Angesicht eines Habichts erstarrt. Unfähig, etwas gegen den drohenden Todesstoß zu unternehmen. Hm. Ich habe Neuigkeiten über die Gut, sprich. Die Spur führt nach Uschitze. Verstehe. Mehr konnte ich nicht herausfinden. Nun gut. Très bien. Gott behüte dich. Okay. Excellent.